Hey, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, tout va bien. Aujourd'hui, ce sera Force Bleue. Ouais, parce que la dernière fois, j'ai dit une belle connerie, moi. Force Rose. Mais Force Rose, c'est une gonzesse, ça. Je suis un mec. Force Bleue. Alors, la vidéo durera un quart d'heure max. Et je pense qu'une tasse de café pour un quart d'heure, ça fera le taf. Sur ce... Ah, bordel. Bon, allez. On y va. Une vidéo sur quoi? J'avais envie de vous parler, ou tout simplement de vous montrer la future version d'Ubuntu. Ouais, ouais. Ubuntu, donc le vrai, le pur. Ubuntu. Unity. Non, non, non. Pas Unity. Unity, c'est fini. Tain, en plus, ça rime. Je le fais pas exprès. Amaury a dit que Unity, c'était fini. Non. La prochaine version d'Ubuntu embarquera le projet GNOME, donc et GNOME Shell, ok? Alors, avant de lancer la version donc d'Ubuntu GNOME hein, que je viens d'installer, petit tour sur Chromium. Dans le navigateur, j'ai tout simplement tapé Ubuntu GNOME ou GNOME. Et alors, je me suis rendu sur le site officiel que voici. Parce que ça m'a toujours tracassé lorsque le fondateur de Ubuntu a dit stop à Unity. Maintenant, on va travailler avec l'environnement de bureau GNOME. Je me suis dit ok, mais que devient la saveur dite officielle de Ubuntu GNOME? Je me dis, ça peut pas le faire. Deux versions GNOME. Et à l'époque où j'avais fait cette vidéo, l'annonce venait de tomber. Je n'avais pas de réponse. Maintenant, il y a une réponse. On se rend donc sur ubuntugnome.org, ubuntugenome, je sais jamais, voilà. .org, direction le blog. Et ici, vous pourrez lire à votre aise, mais il y a un paragraphe intéressant. Hein? Intéressant. Voilà, je pense que c'est ici. Hop là, on va demander une traduction. À la suite de cette décision, il n'y aura plus de saveur GNOME distincte d'Ubuntu. Les équipes de développement, donc à la fois de Ubuntu GNOME et de Ubuntu, fusionneront les ressources et se concentreront sur une seule version combinée. Super. C'est ce qu'il devait faire, je suis désolé. C'est ce qu'il devait faire. Donc, moi je dis bravo. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que GNOME sur Ubuntu sera proposé dans sa version simple, dans sa version de base, dans la version, dans son plus simple apparat. Parce que faut savoir que Ubuntu GNOME est un environnement de bureau qui est simple, épuré visuellement, ergonomique, ergonomique, surtout si on utilise en plus les hot corners, donc les coins réactifs, ça devient quelque chose de phénoménal. Un peu comme Cinnamon avec ses coins réactifs, c'est génial. Et voilà, j'ai jamais compris les gens qui utilisaient l'environnement de bureau GNOME, hein, GNOME 3, et qui venaient le surcharger de plugins qui ajoutaient un panel supplémentaire, parce que l'environnement de bureau GNOME a été créé dans le but de rendre un visuel simple, épuré, comme je l'ai dit pour la distribution Fedora. Pourquoi est-ce que Fedora, dans sa version dite officielle, utilise cet environnement de bureau-là? Parce que Fedora est orienté développement et que les développeurs ont dit « Ok, Fedora, c'est donc l'OS, c'est super,
Mais nous, on veut pouvoir se concentrer sur une chose, sur le code. Donc, on veut un environnement de bureau dépouillé, sans fioritures. Et c'est là qu'intervient GNOME. Alors, si c'est pour proposer GNOME et le surcharger de conneries, autant aller ailleurs. Donc là, Ubuntu va proposer GNOME dans son plus simple apparat. Ok. Et personnellement, je l'ai juste testé 5 minutes avant la vidéo, et ben ça me plaît. Ça me plaît et il n'y a pas trop de bugs. Et oui. Donc ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'a plus besoin. Alors, j'ai tapé donc dans le moteur de recherche Ubuntu GNOME, mais j'ai demandé le flux d'actualité. Et on peut voir que là, Canonical demande aux utilisateurs de choisir les applications d'Ubuntu. Et oui, je lis en gros, hein. Via un billet posté sur le forum Hacker News, Canonical demande aux utilisateurs d'Ubuntu de choisir leurs applications préférées. L'éditeur compte les intégrer nativement à la prochaine version LTS de sa distribution Linux. Donc on parle de la 18.04, pas de la 17.10, hein. Canonical fait appel à la communauté pour choisir les applications qui seront embarquées par défaut dans la prochaine version LTS de son OS, Ubuntu 18.04. Alors, le responsable produit de la célèbre distribution Linux qui a lancé cet appel via Hacker News. Sur ce forum, il avait déjà sondé la communauté. Alors. Nous sommes aussi en train de faire la revue des applications que nous pourrions fournir avec Ubuntu. Nous voudrions savoir quelles sont vos applications Linux préférées que vous souhaiteriez voir apparaître aux côtés des fonctionnalités classiques, a publié le dirigeant dans le même billet. Plusieurs choix possibles. Pour collaborer, il suffit de publier ses propositions sur le forum. Il est possible de proposer plusieurs applications du même type par ordre de préférence. Par exemple, pour un navigateur web, il faudra écrire Chromium, Firefox, Opera, etc. En plus du navigateur, il est possible de choisir le client de messagerie, l'IDE, le terminal de commande, le système de gestion des fichiers, l'éditeur de texte, la messagerie instantanée, le lecteur de PDF, le lecteur audio et vidéo, la suite bureautique, la visionneuse d'images, le calendrier et l'application de capture d'écran. Dirk Kirkland ajoute que si par hasard il avait oublié une catégorie, il ne fallait pas hésiter à l'ajouter. Ben, je trouve ça chouette. Voilà. Au moins, pour une fois, Canonical demande l'avis de la communauté. Ok. Ça c'est fait. Alors. Ubuntu 17.10. Artful. Aardvark. Le nom, et Wayland ont besoin d'être mis à l'épreuve. Le développement de la prochaine itération de la distribution Ubuntu est en cours. Alan Pope de Canonical invite la communauté à télécharger les derniers ISO disponibles afin de tester ce système d'exploitation. Voilà, c'est cette version-là, la 17.10, c'est une daily build hein, en date d'hier que j'ai, bah, qui demande de tester. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Donc voilà la VM en question. On va faire ceci. On lance la VM. Voilà. Et je vais basculer en full screen. Ce sera mieux pour vous. Et je vais même bouger ma grosse tête. Voilà. Ici, je ne vais pas voyager de fond en large en distribution. C'est juste pour vous donner, pour vous montrer un aperçu de ce qui nous attendra avec cette future mouture. Sans grande surprise, mais en même temps, je ne sais pas. Voilà, elle est présentée simplement et ça me plaît. Voilà. Donc, on se connecte. Je ne vous ai pas montré, mais bah, je peux le faire maintenant. Je vais le faire maintenant. Voilà. Ah, c'est simple, c'est pur, c'est épuré. Donc directement, je vais aller chercher le terminal. Voilà. Ok.
pense pas qu'il est installé. Non, donc on va faire sudo apt install htop blabla. Htop. Ah ouais, 1 giga. 1 giga. Ok. Voilà. Mais bon, moi perso, ça me choque pas. Comme je le dis souvent et depuis un petit temps maintenant, les machines actuelles sont vendues quasi toutes avec 8 giga. Celles que je vends sont vendues avec 8. Jamais, jamais en dessous. C'est le minimum. Donc, bon, perso, hein. Voilà, ça posera pas de soucis. Alors, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Alors, blablateur, fermer la session. Et là, regardez, ici, on peut se connecter Ubuntu on Wayland. Ok, au cas où, comme ça, vous le savez. Je me reconnecte. Ah, un petit bug ou pas? Un petit bug ou pas? Attention, hein, je l'ai pas précisé. On est en alpha 2, hein. Ok. Je pense qu'on est en alpha 2, je pense, ouais. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des bugs encore. Alors, ils sont cohérents, parce que regardez. Donc c'est du GNOME, hein. Activité, ok, qui nous laisse entrevoir un panel situé à gauche avec les raccourcis, la zone de recherche et l'espace de travail non statique, ok. Alors, au centre, le jour et l'heure qui laisse apparaître le calendrier et la zone de notif. Et à droite, un applet avec le son, le réseau, la session et entre autres les paramètres. Les paramètres, pas de grande surprise, c'est le gestionnaire de paramètres d'Ubuntu, hein, tel quel qu'on le connaissait sous Unity. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, on va appeler arrière-plan. Voilà, on va mettre quelque chose d'évolutif. Merde, je sais pas, je me suis peut-être trompé. Non, évolutif, c'est celui-là. Voilà, on peut faire le même pour l'écran verrouillé. Voilà, donc nous avons les comptes en ligne. Hein? Alors, confidentialité. Les notifications. Payer langue. France. Ce sera France et Belgique, voilà. Ok, comme ça c'est bon. Prise en charge des langues. Installer. Donc n'hésitez pas à tester, à faire remonter les bugs. Allez sur le blog et dites les applications que vous voulez voir intégrées. Parce que s'il vous plaît, hein, ne venez pas rouspéter après si vous n'avez pas à donner votre avis. Si vous ne le donnez pas concernant les applications intégrées, vous n'avez pas à rouspéter. Je suis désolé. Ok. Ben voilà, je pense que c'est bon.
Formats régionaux. Français, Belgique. Voilà, ok. Rechercher. Bluetooth, clavier, couleur, écran. Énergie. Imprimante, réseau. Son, souris, pavé tactile. Date et heure. Détails. Application par défaut, média movible, partage, ok, donc on peut activer le partage, voilà, partage de fichiers, ok, utilisateur, voilà, ça c'était pour les paramètres. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller dans activité. Alors, les raccourcis, connaissez avec Norm. Bon, ça je veux pas, donc enlever des favoris, ça je garde, enlever des favoris, ah, on n'est pas trahi, hein. Toujours Amazon, enlever des favoris, vous voyez, la zone de notif fonctionne bien. Alors, déjà, on va faire terminal, clic droit, ajouter aux favoris, on va faire monitor, clic droit, ajouter aux favoris. Et on va faire H-top, clic droit, ajouter aux favoris. On va mettre de l'ORT. Donc, terminal. Voilà. Alors, on va se rendre dans les applications. Vous voyez, un petit effet bien sympa. Qu'avons-nous ? Déjà, ils sont cohérents. Ils ont dit qu'ils proposaient donc une version GNOME dans son plus simple apparat. Et ils sont cohérents parce que si on fait outils, personnalisation, voilà, où je veux en venir, eh ben, c'est qu'on ne trouve pas l'outil de personnalisation de GNOME, donc Ubuntu. GNOME Tweet Tool, on ne le trouve pas et je trouve ça bien. Voilà, c'est tout, c'est dit. Par exemple, dans la version Manjaro Tuxen Vap GNOME Lite, GNOME, d'où son nom, Lite était proposé dans son plus simple apparat, mais l'outil, hein, Tweet Tool, donc GNOME Tweet Tool, était, donc l'outil de personnalisation de GNOME était installé et était proposé. D'accord ? Ici, pas. Alors, jusqu'à présent, mais voilà, ça va changer. C'est bien, en même temps, ça veut dire que Ubuntu reste dans la même philosophie. Unity, hein, tel qu'il était proposé par Canonical, de toute façon, il n'y avait que qui le proposait, quasi, n'embarquait aucun utilitaire maison, donc proposé par Ubuntu, ou même aucun autre utilitaire pouvant permettre la personnalisation de Unity. Eh bien ici c'est le même. Ça veut dire que voilà, on ne sait rien personnaliser nativement avec cet OS, avec cette distribution. Voilà. On peut installer hein, l'utilitaire, mais il n'est pas proposé. Donc Unity ne change pas son fusil d'épaule, on le propose comme ça, et à la limite, voilà, si c'est bien de ne pas le personnaliser. Donc, agenda, calculatrice, éditeur de texte simple, donc on aura affaire à Jeudit, hein, sûrement, à propos, voilà, Jeudit 3.22.1. Alors, oui, j'ai oublié de vous montrer. Si je lance Moniteur Système, hop, à propos, on voit qu'on a affaire à GNOME 3.24.0. Et là, ouais. Ah non, je me trompe, pardon. Là. Ouais. Donc GNOME 3.24. Apparemment, hein. J'ai essayé de connaître la version de
de génome via le terminal, impossible. À mon avis, il y a un petit souci. D'accord. Donc, je continue en vitesse. LibreOffice. Voilà, je vous montre ce qui est installé, mais apparemment, ça va. Je pense que là, ça va fortement changer. Hein. 3.24.2.1 fichier, d'accord. Voilà, activité. Hop là. Donc on a LibreOffice. Aide à propos de LibreOffice 5.3.4.2. Hop, hop. On continue. Alors, bah, logiciel, on peut le lancer. Hein. Logiciel est mis à jour. On peut le lancer aussi. Autre logiciel, ben on pourrait cocher ceci. On s'authentifie, voilà. Mise à jour, donc vérifier automatiquement les mises à jour tous les jours. Lorsqu'il y a des mises à jour de sécurité, téléchargez-les automatiquement. Lorsqu'il y a d'autres mises à jour, afficher immédiatement. Et me prévenir lorsqu'une nouvelle version de Ubuntu est disponible pour chaque nouvelle version. Authentification, pilote additionnel. Ah oui, alors automatiquement, ben ça c'est moi qui l'avais demandé via l'installateur, Intel Microcode a été installé. Et c'est pas moi qui l'ai installé. Fermé, actualisé, détail. Voilà ce qui est installé. Donc c'est un peu plus simple de supprimer ce dont on n'a pas besoin. Et les mises à jour. Ok. Voilà, activité, tous les softs, nous aurons Firefox, oh le pauvre petit Firefox. On ne parle que de sa mise à mort. C'est bien dommage. Voilà. 50.1.0. On continue. Onboard, outil de numérisation simple scan, paramètres on a vu, Remina, outil de sauvegarde, donc Wismbox pour la bibliothèque musicale, Shotwell, donc visionneur d'image, terminal, ah, transmission est là. Je suis d'accord, aide à propos 2.92. Sinon, ça réagit pas mal. Alors, utilitaire, on a analyseur d'utilisation de disque, capture d'écran, on a disque. Donc, on pourrait, par exemple, faire paramètres du disque, cache en écriture, on active, on valide, on s'authentifie, on valide par votre pointeur et on a le cache disque d'activer. Alors, on continue, on a presque fini. Utilitaire de disque, journaux système, moniteur système, mot de passe, table de caractère, visionneuse d'image, ok. Bah écoutez, vidéo, bah voilà, c'est tout. Ok. Alors, les icônes sont actives sur le bureau, puisque nouveau dossier, bah, je peux faire ce que je veux. Voilà. Alors, clic droit. Redimensionner l'icône. Voilà. J'ouvre. Attendez, puis j'essaye quelque chose. Voilà, mais c'est vraiment un menu contextuel simplifié. Hein? Parce que nouveau dossier, mais nouveau document, non, il n'y a pas. Ok, donc clic droit. Alors, restaurer la taille initiale.
On met à la corbeille. Attendez, j'essaye quelque chose. Extérieur de fichier. Corbeille. Ah tiens, je viens de remarquer un truc. Attendez. Hop. À part do dossier personnel, j'ai desktop download et c'est tout. Ah, j'ai pas les autres emplacements. Un petit bug? One petit bug. Alors, quelque chose que je vais vérifier, parce que certains disent, oui, tu verras, il n'y a plus de partition swap de créer. Donc, je vais vérifier. Et effectivement, on n'a plus de partition swap de... Si. Si, 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 tiens, attends un peu. Alors, tiens, ça par contre, c'est bizarre, ouais. J'ai un swap dans le moniteur système, mais j'ai pas un swap dans l'utilitaire gestion de disque. Ok, mais voilà, alpha 2, image daily build. Mais sinon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Ça sert à rien d'aller plus loin parce que voilà, je pense qu'elle va fortement évoluer, surtout au niveau du package soft, mais pas au niveau de, allez, de comment est proposé GNOME et GNOME Shell. Ok, ça il faut pas se faire de build, ça va pas évoluer à ce niveau-là. Mais au niveau du package soft embarqué, ah, je peux vous dire que qu'il y aura du changement. Alors les espaces de travail non statiques, bah, ça fonctionne comment? Voilà, c'est ça que c'est super ergonomique. Vous allez voir. Voilà. Déjà, ben, en un clic, hein, on a accès à l'ensemble des tâches ouvertes. Et voilà, on place ça où on veut. Voilà, espace de travail dynamique. Ils sont créés au fur et à mesure. OK. Ils sont supprimés également au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on les appelle dynamiques. Sinon, si on avait l'utilitaire Tweak Tool de GNOME, on pourrait modifier l'option et la basculer sur espace de travail statique. Ouais, statique. Et alors de là, ben, on ferme. Hein. On ferme, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Voilà. Et moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Allez, force bleue. Ciao.